Tu vas être grand-mère. Non, c'est une tabarnasse! Je serais incolise, je savais pas ce que je veux dire. Oh fuck! Tu vas être OK. Ça fait quelques semaines déjà que je me sens pas là. Je me sens ailleurs. Et je pense que j'ai quand même une bonne raison de me sentir comme ça. Parce que je suis enceinte. Ça a pas de bon sens. Ça a juste pas de bon sens. Je suis enceinte. Je suis enceinte. C'est comme une phrase qui, dans ma bouche, sonne drôle. On se demande si je dis la vérité. Mais je suis réellement enceinte. Ça fait maintenant 3 semaines que je l'ai appris. 3 semaines que je suis tourmentée de questionnements. J'ai les émotions dans le piton. C'est comme si c'était irréel. Je le réalise pas tant. C'est un bébé qui est à 100% désiré. C'est pas une question de me poser la question, à vrai dire, si je gardais ou non cet enfant. De un, je le vois vraiment comme une chance. Je sais que c'est pas tout le monde qui a la chance d'être fertile, de pouvoir tomber enceinte. C'est pas tout le monde qui va pouvoir vivre cette expérience-là. C'est vraiment étrange parce que j'ai toujours eu le feeling que je faisais partie de ces personnes-là. Moi, ça fait 8 ans que je suis avec mon copain. Ça fait 8 ans qu'on se protège pas, qu'on se protège mal. J'ai jamais pris la pilule contraceptive de ma vie. Après 8 ans, j'ai fini par me dire que peut-être bien que, crime, moi et mon copain, on n'était pas fertiles, tu sais. Puis ça commençait à nous faire peur. Pas qu'on essayait d'avoir des enfants, mais on se disait, crime, c'est quand même quoi les chances que, tu sais, pendant 8 ans, il n'y ait rien arrivé, tu sais. Fait que c'est des pensées qui m'ont habité, puis habité, puis habité beaucoup. Fait que quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai eu cette petite réflexion-là de juste prendre un petit recul puis d'être reconnaissante de ça. Autant effrayant ça peut l'être parce que c'est l'inconnu, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu. Je me suis arrêtée puis étonnamment, je me suis dit que j'étais juste chanceuse, tu sais. Fait que c'est ça. Une petite pensée pour toutes les personnes qui, ben, qui ont pas cette chance. C'est un bébé. Je sais pas, je feel que c'est un petit bébé miracle en fait parce que non, c'était pas prévu. Ça fait des mois et des mois que moi et mon copain, on parle d'avoir des enfants. Ça fait partie de nos discussions. Mon copain est rendu à 32 ans, mon copain est super prêt. Super prêt, c'est un running gag. Avoir des enfants, moi j'étais plus reculée, plus sur le frein parce que ben je trouve vraiment des choses que la mère a une énorme pression. Une pression à tellement de niveaux en fait. Et
Ben, je pense que ça me faisait vraiment peur. C'est vraiment bizarre, mais j'ai toujours su au fond de moi, puis ça, c'est vraiment pas négatif, mais j'ai toujours su au fond de moi que j'allais jamais me lever un matin en mode « Hey, ça y est, on essaie de faire des enfants, tu sais, je suis prête. » J'ai toujours eu le feeling que la vie allait charger quand ça allait être le bon moment, en fait, que ça arrive, puis ben, c'est exactement ça qui s'est passé, en fait. Ouais. Fait que ça, je suis... Ça m'émeut vraiment beaucoup parce que j'ai aucune attente envers ma grossesse, j'ai aucune attente envers cet enfant-là, j'ai aucune attente. Les questions que je me pose, c'est plus par rapport à moi, des peurs que j'ai. Est-ce que je vais être une bonne mère? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que ma vie va changer, tu sais? Mais c'est jamais des attentes en mode, ok, là, j'espère que ça, ma grossesse va être comme ça, ok, j'espère que j'aurai pas ci, je vais avoir ça, j'espère, tu sais, jamais, jamais. Mais j'avoue que on dirait que ça me réconforte de savoir que, ben, qu'en fait, je suis tombée enceinte comme je pensais que ça allait se passer. Ça me réconforte de me dire que la vie a décidé que c'était là le bon moment. Ça me réconforte de savoir que c'est là le moment qu'un enfant a décidé qu'on serait ses parents. Ça me réconforte qu'on n'ait pas forcé les choses. Ça me réconforte que ça fasse 8 ans que je partage ma vie avec un homme incroyable à tous les niveaux. Puis que ça me réconforte énormément de savoir que ça va être avec lui que je vais vivre cette incroyable aventure. Ça me réconforte de savoir que j'ai 28 ans, que même si dans ma tête, je pensais pas que ça allait arriver tout de suite, c'est quand même un âge que je suis à l'aise, que je suis confortable. Ça me réconforte de savoir que, ben, c'est comme on dirait que quand j'ai appris que je suis tombée enceinte, ça m'a réconfortée de me dire que mes proches allaient pas être dans le jugement. Puis j'ai eu une pensée à me dire, je trouverais ça extrêmement lourd si en ce moment j'avais pas toutes les conditions autour de moi qui étaient favorables. Ouais, c'est une décision qui est tellement personnelle d'avoir un enfant, puis ça m'aurait vraiment blessée d'avoir le feeling que les gens autour de moi jugeraient cette décision ou jugeraient que c'est pas le bon timing, que c'est pas la bonne personne, que j'ai pas assez de moyens pour m'occuper de cet enfant-là, ou même jugerais que peut-être que moi je suis pas prête. Mais non, j'ai eu aussi cette chance d'avoir un entourage tellement bienveillant. ça m'émeut vraiment parce que je repense à toutes les personnes à qui je l'ai annoncé en ce moment. Je l'ai annoncé vraiment juste à mon cercle proche, puisque ça fait seulement en ce moment 7 semaines que je suis enceinte, c'est tout nouveau. Donc on l'a annoncé vraiment à notre cercle d'amis très 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 proche. Puis ça, c'est des moments qui vont rester gravés en tête pour toujours. Ouais, je me sens juste vraiment reconnaissante de tout ce qui se passe dans ma vie. C'est beaucoup de changements, ça se bouscule dans ma tête. J'ai plein d'émotions, j'ai plein de pensées, des réflexions. Mais une chose est certaine, c'est quand je me suis rendue compte que j'étais en retard de mes règles, ce qui m'est jamais arrivé dans ma vie, parce que je suis jamais tombée enceinte, c'est la première fois de ma vie. Je suis allée le matin pour aller me chercher un test de grossesse. Puis j'étais stressée, mais étonnamment, j'étais tellement sereine. J'étais vraiment sereine, puis j'ai toujours imaginé que quand j'allais apprendre que j'étais enceinte, ça allait me mettre dans tous mes états, que j'allais genre pas bien filer, que ça allait pas être une bonne nouvelle, parce que c'est envahissant, c'est stressant, c'est de l'inconnu. Puis quand je suis allée chercher mon test de grossesse, en marchant pour aller là-bas, je me suis dit, écoute Cass, peu importe c'est quoi la réponse, ben dis-toi que c'est là-bas. Peu importe que ce soit positif ou négatif le test de grossesse, c'est la bonne réponse. J'avais vraiment cet état d'esprit-là quand j'ai fait mon test de grossesse. Puis oui, j'ai été choquée et surprise quand j'ai vu qu'il était positif, mais j'avais quand même ça en tête de me dire de faire confiance à la vie, puis que c'était la bonne chose en fait. Fait que c'est positif, mon test est positif et c'est la bonne réponse. Donc en ce moment, j'ouvre ma caméra juste parce que je pense que j'avais vraiment le besoin de m'exprimer. J'avais pas encore réouvert ma caméra depuis que je l'ai appris. J'ai pas tourné d'autres vidéos YouTube. Je suis très transparente sur mes réseaux sociaux, fait que je trouve ça difficile de vivre ça tout seul. C'est beaucoup de changements, c'est plein de... Je coule du nez. C'est plein de symptômes que Chris... J'ai jamais vécu ça, moi, être enceinte, hostie, j'ai fucking mal au tonton, genre, je suis tellement fatiguée, je dors, hostie, je pense 20 heures par jour, ça a pas de bon sens. Je suis dans mon premier trimestre, pis c'est le trimestre qui que ton corps est en train de créer quelque chose, tu sais, donc c'est vraiment, c'est vraiment complètement fou, mais c'est vraiment spécial de le vivre tout seul, ouais. Pis j'ai bien de la misère sur mes réseaux sociaux en ce moment à juste être, parce que je suis pas là, pis je peux pas vous le dire encore parce que c'est trop tôt. Mais j'ai tellement hâte. Puis en même temps, il y a une partie de moi qui me dit « Je vis jamais rien dans mon intimité. » Fait que de profiter de ces 3 mois-là pour le vivre avec les gens qui sont vraiment proches de moi, c'est quelque chose que je me permets jamais parce que j'ai juste tellement tout le temps hâte de tout dire sur les réseaux sociaux. Mais ouais.
En tout cas, si vous regardez cette vidéo-là, dites-vous que c'est pour ça que j'étais pas là. Je suis pas là. Je suis en train de créer un enfant, là. Ouais, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir comment je vais me sentir. J'ai hâte de voir comment cette grossesse va se réaliser. C'est quoi les réflexions que je vais avoir. En ce moment, je suis agréablement positive, pas stressée. Ouais. C'est con, mais d'être enceinte puis de autant pas pouvoir le dire à personne les premiers mois, ça pèse beaucoup sur le mental. Ça fait en sorte que c'est vraiment bizarre de vivre quelque chose tout seul, de vivre quelque chose d'aussi gros aussi. Moi, je connais absolument rien de ça. Oui, j'ai des amis qui ont été enceintes, qui ont accouché, que j'ai posé des questions, mais c'était pas en mode, hey, moi, je le vis actuellement, fait que je pose des questions parce que je suis intéressée. Je posais des questions plus parce que, parce que je suis intéressée, mais pas de la... En tout cas, vous comprenez. Bref, c'est tellement spécial de vivre quelque chose tout seul. Et là, j'ai eu la brillante idée de me dire, Chris, si tu le vis tout seul, t'as quand même bien YouTube. Fait que j'ai écrit sur YouTube, je suis enceinte, premier trimestre, pour avoir comme, je sais pas, écouter des vidéos de d'autres personnes qui l'ont vécu pour peut-être comprendre des choses, tu sais. C'est vraiment spécial quand t'apprends que t'es enceinte. En tout cas, je sais pas si les gens le vivent comme moi, mais moi, du moins, je me sens laissée beaucoup à moi-même. Puis par chance qu'on n'est pas dans la préhistoire, restée, puis qu'il n'y a pas d'ordinateur, parce que pour vrai, en ce moment, je saurais pas ce que je dois faire. Je saurais pas ce que je dois pas manger, les activités que je peux pas faire, tu sais, toutes mes restrictions. Fait que, ouais. Bref, je me sens beaucoup laissée à moi-même et j'ai commencé à écouter des vidéos YouTube pour me rassurer, pour me sentir moins seule de personnes qui sont enceintes présentement ou qui l'ont été. Puis, je les sentais extrêmement stressées. Stressées de faire des fausses couches, stressées de pas avoir le contrôle. Puis, sur le coup, je me suis dit, crème, est-ce que je devrais ressentir ces émotions-là moi aussi? Parce que je les ressens pas du tout, tu sais. Je me sens vraiment en paix, vraiment pas stressée. On dirait que j'ai confiance. C'est quand tu te compares, je trouve que ça devient stressant ou tu te sens imposteur parce que c'est ma première grossesse. Étonnamment, je me sens pas du tout stressée. J'ai vraiment confiance. J'ai pas d'attente envers cet enfant-là. J'ai tellement pas d'attente envers cette grossesse-là. Puis ouais, j'ai un bon feeling. Puis j'arrête pas de lancer dans l'univers que cet enfant-là est en santé. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment tout ce qui compte pour vrai. Puis cet enfant-là sera ce qu'il voudra, tu sais. Que ce soit un gars ou une fille, que ce soit une personne qui aime faire de la peinture, qui aime patiner, genre, j'en ai rien à chier. Je veux juste que cet enfant-là soit heureux, soit en santé, puis il sent qu'il peut être ce qu'il veut, en fait. Fait que j'ai vraiment un gros lâcher-prise niveau attente, niveau qu'est-ce que tout ce que je contrôle pas, en fait. J'ai pas le feeling que je vais faire une fausse couche, et si j'en fais une, ben c'est pas en l'ayant full appréhendé que ça va m'aider à passer par-dessus. Fait que je me dis, si ça arrive, c'est ça qu'il fallait qu'il arrive, mais j'ai confiance. J'ai confiance. Fait que j'ai un bon bonnet. Fait que c'est ça. J'avais envie d'ouvrir ma petite caméra pour la première fois pour vous dire un peu ce que je ressens en ce moment. Et je pense que j'aimerais ça, faire ça. Ouvrir ma caméra à des moments fucking random. C'est comme là, je viens de me lever, genre, j'ai envie de boire mon café. Mon seul café de la journée parce que je peux pas en boire plus qu'un. Ça, c'est très difficile. Puis juste vous partager honnêtement comment que je me sens. Parce que j'ai envie de moi garder un souvenir de ça. J'ai envie, je sais pas, j'ai envie de transparence. Puis de simplicité. Puis... Hey, j'ai des réflexions tellement connes, la gang. J'ai eu une réflexion, ok? Je sais pas comment je vais pas vous la dire. Ok, moi, je suis très polichée dans la vie, niveau réseaux sociaux. Je veux dire, mon feed est pas beau, là. Je suis très désorganisée, puis j'écoutais un TikTok d'une fille qui a fait une valise de maternité, qui s'en allait pour accoucher, puis tous les vêtements étaient tous clean. C'est pas un poil de chat dessus. Toutes des mêmes teintes de couleurs, genre, tu sais, toutes fit, avec comme le petit cercle en genre de rotin, écrit genre « Bienvenue au monde », genre, pour prendre la photo quand le bébé va arriver. Et puis là, dans ma tête, là, ça s'est bousculé. Là, puis je me suis dit, est-ce que vu que je suis enceinte, je vais avoir un bébé, est-ce que je dois devenir ce genre de personne? Est-ce que pour être mère, il faut que tout soit beau, que tout soit liché, que tout soit parfait? Puis là, je me suis mis angoissée, là, parce que là, j'étais comme, hey, non, mais c'est tellement pas moi, je peux pas faire ça. Tu sais, moi, quand j'imagine mon enfant, que ça soit un gars ou une fille, j'ai envie d'y acheter des vêtements comme un peu plus non-genrés. Tu sais, j'ai pas envie que ce soit une fille, puis ça soit toute rose, princess, puis j'ai pas envie que ça soit un gars, puis il porte des gilets avec des petites voitures. Genre, je suis comme, non, tu sais, j'ai envie
d'aller magasiner en friperie puis de trouver les vêtements, peu importe le vêtement en fait que je vais trouver, que genre je sois à l'aise de le mettre à mon enfant puis que mon enfant soit à l'aise de le porter, tu sais, j'ai juste pas envie d'être dans cette espèce de bulle de perfection là, tandis que on va se dire les vraies choses, être enceinte c'est pas parfait, avoir un enfant ce n'est pas du tout non plus, tu sais, être mère c'est, il y a rien de parfait, tu sais, il y a rien de tout rose dans la vie. Pis j'ai pas envie de ça. J'ai eu cette réflexion-là et j'ai eu cette réponse-là. J'ai pas envie de ça. Donc, il y aura pas de ça pour moi. Non. Mais j'ai envie de... Si j'ai envie d'ouvrir ma caméra puis de vous dire que aussi que je la trouve rough ce temps-ci parce que je suis dans mon premier trimestre puis j'ai les émotions à fleur de peau et que je m'endure pas, ben que ça soit ça, tu sais. Fait que voilà, je vais rester très transparente avec vous puis avec moi-même par rapport à tout ce que je vais vivre. Puis je pense qu'on va vivre une sacrée aventure. Ouais, c'est ça. Fait que voilà, c'était la première fois que j'ouvrais ma caméra pour vous dire que je suis enceinte! Ah! Fait qu'on se retrouve bientôt! Allô? Ça fait maintenant presque 14 semaines que je suis enceinte et si je prends la peine d'ouvrir ma caméra aujourd'hui, c'est parce que j'ai des super de bonnes nouvelles! C'est mon enfant! Et regardez! On dirait une cuisse de poulet! On dirait que je vais accoucher d'un poulet, genre. C'est une fille ou un garçon? C'est un poulet. Ah, ok, c'est un poulet. Pas de problème. Non seulement mon enfant est présent, parce que ben ça faisait des mois que j'étais enceinte puis que j'avais pas encore vu mon enfant, donc on dirait que c'était comme pas réel dans ma tête encore, mais là ça peut pas être plus réel, là. C'est mon enfant, là. Mais aussi, j'ai eu des bonnes nouvelles ce matin. On m'a appelé pour me donner les résultats des tests à savoir si mon enfant était en santé, puis ça a été super positif. Mon enfant est en santé, fait que non seulement il est vrai, real the real, mais il est aussi en santé! Fait que c'est officiellement real. Je suis officiellement enceinte d'un enfant et tout va super bien. Moi pis Cédric, on est vraiment, vraiment comblés. Pis je suis vraiment contente de partager ça avec vous. J'ai pas l'air tant enceinte, ok? Attendez là. Checky! Il y a un enfant là-dedans! Il y a un enfant! Je pense qu'on peut officiellement dire que c'est vraiment le début d'une nouvelle aventure. Ouais, avec Cédric, on attend officiellement un enfant. Un petit bébé! Fait que voilà, j'espère que vous êtes contents pour nous. Sinon, c'est vraiment décevant. Vous êtes comme, ouais, Cash, j'en ai rien à foutre. J'ai comme, ouais. Ça se peut, on remarque, mais j'espère sincèrement que vous êtes contents pour nous, puis nous on est tellement choyés, tellement reconnaissants, puis j'ai hâte de partager tout ça avec vous.